suite sur Life TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 1945, vendredi 29 avril 2022. Voici les titres. L'armée ivoirienne renforce ses effectifs. Après la cérémonie de présentation devant le drapeau national, ce sont près de 3000 nouvelles recrues qui vont rejoindre les rangs de l'armée nationale. Ils viennent de Boaké, de Séguéla ou encore de Yamoussoukro. Présentation de ces nouveaux militaires avec Eliel Miemo, Pierre Louis et Désiré Conan. Dans le souci de renforcer ses rangs et de rétablir la pyramide des grades, l'armée ivoirienne a procédé à un recrutement massif de sous-officiers d'active. Répartis sur les sites de l'ENSOA à Boaké, de la garde républicaine à Yamoussoukro et du CAFOP de Séguéla, ce sont au total 2955 recrues qui ont achevé la formation commune de base d'une durée de 3 mois. À Yamoussoukro, ils sont 985 militaires qui ont été présentés au drapeau ce mercredi 27 avril 2022. Cette cérémonie rappelle aux jeunes recrues leur engagement militaire et leur devoir de citoyens vis-à-vis de la nation. Chers encadreurs, chers collaborateurs, je vous exprime toute ma reconnaissance parce que j'ai pu constater le travail que vous avez abattu semaine après semaine. Vous avez transmis à ces jeunes engagés les valeurs des forces armées de Côte d'Ivoire. Vous avez enseigné à vos élèves les compétences techniques les plus délicates qui favorisent le bel esprit d'engagement, de droiture, de courage et d'humanisme. Chers soldats de la classe 2022-1A, vous voilà au terme de 90 jours de formation épique, sanctionnée par votre présentation au drapeau de l'État de Côte d'Ivoire. Sachez que votre credo dès ce jour, c'est la défense de nos concitoyens, la défense de notre patrie. Du côté de Séguéla, ce sont 984 éléments de cette promotion qui ont confirmé leur intégration. La présentation au drapeau national fut l'occasion pour le commandant du centre interarmé de formation initiale militaire de situer le sens de cette cérémonie qui se veut une preuve de maturité pour les nouveaux venus. La présentation au drapeau national n'a d'autre but que de rappeler aux jeunes soldats leur engagement militaire et leur devoir de citoyen vis-à-vis de la communauté nationale. Elle témoigne de leur aptitude à servir désormais sous le drapeau national. La première promotion qui vient d'achever la FCB, entendez formation commune de base, est forte de 984 personnels, tous ivoiriens issus des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Les nouvelles recrues se sont engagées à se conformer aux conseils qui leur ont été prodigués et ont promis de porter avec fierté leurs insignes. Démontage et remontage d'armes, pratiques de techniques de défense et défilés militaires ont ponctué cette cérémonie de présentation à Séguéla.